Ça c'est du hype, Ryan, ça je suis fier de toi, bien joué Ryan. Yes! Oh, c'est un tardé mental. Guess who's back again? C'est le petit frère, le petit frère est back, mesdames et messieurs. Juste pour ça, mesdames et messieurs. Combien on hit de likes, Ryan? Le youtubeur Kikou Forceur. 5. 5 likes. Putain, imagine si on dépasse 5 likes, Ryan, on sera famous. Oui, finalement, je vais pouvoir sortir de la cage. Il m'a dit, regarde, dis-le que je suis dans une cage. Avoue. J'avoue. Toute vérité est bonne à dire. Et juste un attardé mental, en fait. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on s'est dit pourquoi pas faire un petit Would You Rather. Donc, en gros, bon, tout le monde sait c'est quoi Would You Rather. Moindrement si vous traînez sur YouTube. Le principe est très simple, c'est qu'en gros, on aura un choix et un autre choix. Il faudra choisir entre les deux choix. Mais par contre, on n'est pas des gars basiques. Aujourd'hui, on va faire les plus dumb, c'est-à-dire les plus retardés Would You Rather. Est-ce que t'es prêt, Ryan? Hype, pense. S'il vous plaît, encore. Frappe-toi la gueule encore, s'il te plaît, sinon je te frappe. Nickel. Bref, mesdames et messieurs, let's do this shit. 71 of the most ridiculous Would You Rather questions. Franchement, cette question-là, ok, bon, je vais la dire. Putain, je sens déjà les réponses attardées que mon frère va balancer. Est-ce que tu ferais mieux être une personne incroyablement belle, mais incroyablement stupide, ou être vraiment moche et super intelligent? Écoute. Ah, si, j'anticipe déjà ta réponse de merde. Vas-y. Je suis déjà très intelligent et très beau. Mesdames, donnez-moi votre 06. Donc, je n'ai pas besoin de cette question-là. Non, tu dois répondre, Ryan. Et la modestie dans ta putain de phrase, Ryan. T'es pas connu comme ça, t'as changé. C'était mieux avant, Ryan. Depuis les deux abonnés. C'est ça, c'était mieux avant. Imagine, je pourrais avoir un petit peu plus d'intelligence. Pourquoi passer avec toute cette beauté quand je marche dans la rue? JPP de ce garçon, JPP. JPP. JPP, bordel. Quand je marche dans la rue, on me crie. Eh, hey, c'est toi, le frère de Madiba? C'est toujours ça en plus. Non. Ah, espèce de loser, oui. Est-ce que tu préfères mieux péter à chaque fois que tu ris ou roter à chaque fois que tu pleures? Eh, hey, putain, on a vraiment des débats philosophiques en ce moment. Bien joué, Madiba, chaîne de intellectuel. Ah, franchement, j'en ferais mieux, je pense pas vraiment roter à chaque fois que tu pleures parce qu'en fait, ça rendrait chaque situation où tu pleures plus cocasse et parce que je ris beaucoup plus que je pleure. Mais imagine à des funérailles, Ryan, à des funérailles. À des funérailles. Dans un speech. What the fuck, c'est question. Ok, si tu pouvais te réincarner, est-ce que tu préfères mieux revenir en tant qu'humain ou en tant qu'animal? On va décider un truc, ok? T'as le droit de choisir l'animal que tu veux. Animal que je veux? Oui, mais juste. Tu es un ver solitaire. Le niveau d'attarder dans ce garçon. Bah oui, je pourrais être dans ton ventre. Qu'est-ce que je fais toute ma journée? Je te fais chier. Mais en fait, c'est comme dans la vraie vie, Ryan. Tu me fais chier, tu fais que bouffer et dormir, c'est juste ça. Hey, je bouffe pas tant que ça. Donc ouais, est-ce que tu pourrais te choisir un ver solitaire? Ben si c'est dans ton ventre, oui. Would you rather be born with an elephant trunk or a giraffe neck? Est-ce que tu préfères mieux être né avec un nez d'éléphant ou avec une trompe d'éléphant, excuse-moi, ou plutôt un cou de girafe? Moi perso, j'ai toujours eu un gros nez, ça me dérange pas trop avoir le nez d'éléphant. Et surtout en plus, hey, tu peux l'utiliser comme troisième bras. Alors que long cou, qu'est-ce que tu vas faire? Je connais du monde avec des longs coups. Mais d'une girafe? Non mais... Ouais. Donc franchement, à vous, on est d'accord, la trompe c'est bien plus mieux. Oh, question intéressante, est-ce que tu préférais mieux? Ça porte à très gros débat. Ça je pense dans les commentaires, ça va être chaud. Est-ce que tu préférais mieux être un super-héros ou être un magicien? Super-héros tout de suite. Bah, lui c'est son fantasme depuis toujours, tu vois. Genre, lui il regarde des comics tout le temps. Mais voyons ça de façon objective, Ryan. On va enlever les Doctor Strange et tout là. Mais yeah. Gandalf mais... a des pleins de pouvoirs. Mais Gandalf. Dumbledore. Gandalf, un vieux croulant, ok? Non mais tu vas être jeune, tu vas être jeune, tu vas pas avoir une fucking barbe qui apparaît d'un coup. Il y a genre 800 ans en Gandalf, ok? Oui. Il est super cool. Et t'as Batman. Le maître de tout, Batman. Ah, ça va être chaud. Eh, franchement là-dessus, je vous laisse dans les commentaires. T'as pas répondre, t'as pas répondre. Franchement, moi j'ai vraiment de la discuter, je vais pas te mentir, j'ai vraiment de la discuter. Franchement, je pense que j'irais pour magicien. Juste pour te faire chier déjà de base. Ok, Ryan. Would you rather have finger-sized nipples or nipple-sized finger? En gros, est-ce que tu préfères mieux avoir tes doigts de la grandeur de. De téton. De téton, ouais. Ou des tétons grandeur de tes doigts. Ah, le chat des tétons comme ça. Ou t'as des espèces de petites mains de merde. Mais si tu cours, ça va. Oui. Enfin, t'as aussi choisi le deuxième choix, toi? Ouais, nickel, moi aussi. Est-ce que tu préférais mieux vivre dans une île tout seul avec la personne que tu détestes le plus? Moi, je n'aimerais pas vivre avec toi, Maddy. Quel connard. Je te déteste. Bah, bon non plus. Alors, vive tout seul, let's go. On vote pour ça? Ah, ça c'est intéressant ça. Est-ce que tu préfères mieux mourir d'une attaque de zombie ou une attaque de requin? Dans les deux cas, tu meurs de façon cruelle. Après, tu vas revenir en zombie. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Je vais pas venir te manger toi. Putain, le coup de shotgun que tu auras dans la gueule, ça va être magnifique. Où est-ce que tu sors le shotgun? Je sais pas, c'est j'invente. Hein. On est dans un monde de zombies carrément, donc je vais en inventer. Non, perso, moi aussi, je pense. Clairement, justement, parce que t'as une deuxième vie techniquement. Et surtout, en fait, la mort de requin, je pense c'est la plus terrible. Parce qu'il te noie en plus. Je préfère mieux mourir de requin. Finalement, tu changes. Pourquoi? Juste pour te faire chier. Abonnez-vous à ma chaîne Google Plus. Et une allez voir. Vieille mon... blague, Ryan. Allez elle est morte. Mon... Elle est morte après cette Skyblog, Ryan. Oh, 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 mais c'est quoi? Tu fais une blague de MySpace? Pourquoi tu chantes une chanson d'Eminem, Ryan? Ok, on fait un truc. À 25 000 likes sur cette vidéo là, ok, Ryan fait une chaîne YouTube. C'est bon? Bon deal? Ça, c'est une intro de Dieu, tu vois. What the fuck? C'est bon? What the fuck? C'est bon. What the fuck? Tu sais, la chance d'une vie est immanquable. On
n'est pas des milliers dans mon cas. À l'époque des heures de colle, j'étais loin d'avoir la cote. Alors je me dis que ma vie est un manga. Je me sens plus proche du dealer de